Hosanna. Hosanna, ce sont les Hébreux qui crient Hosanna. Ils déposent des palmes, ils déposent des habits devant l'anon qui porte Jésus. Ils crient Hosanna, c'est un chant d'allégresse, un chant de joie. Mais me direz-vous, ce chant n'est pas pour nous, ce cri n'est pas pour nous, nous sommes enfermés, nous sommes confinés, nous n'aurons pas les rameaux, nous n'aurons pas la bénédiction et la fête et la joie. Non, ce cri Hosanna n'est pas pour nous aujourd'hui. Et si pourtant, mes amis, il est pour vous. Souvenez-vous, Hosanna, littéralement, cela voulait dire « Sauve-nous, de grâce, Seigneur, donne-nous le salut, de grâce, aide-nous ». C'était un cri de supplication. Et cette supplication, les Hébreux, dans leur tourmente, dans le désert, dans leur combat, ils l'ont crié souvent. Et ils ont fait l'expérience d'un Dieu fidèle, d'un Dieu proche, d'un Dieu sauveur. Dans le désert, durant leur exode, ils ont fait l'expérience que Dieu était là, que Dieu marchait avec eux, que Dieu était présent au milieu d'eux, sur la tente de la rencontre. Il parlait avec Moïse, il était avec eux. Alors le Hosanna est devenu un chant de confiance, est devenu un chant d'allégresse. Oui, Dieu sauve. Dieu sauve parce qu'il est fidèle, parce qu'il est puissant, parce qu'il nous aime. Alors aujourd'hui, je pense, oui, vous pouvez dire Hosanna. Le Christ est rentré dans Jérusalem. Il est monté sur un ânon qu'il a réquisitionné, comme les rois avaient la coutume de le faire, ils pouvaient réquisitionner les bêtes. Il est rentré dans la ville sainte sur un ânon. Il voulait réaliser la prophétie du prophète Zacharie. Le prophète Zacharie annonçait un roi qui viendrait monté sur le petit d'une ânesse, un ânon, mais un roi humble qui viendrait briser les arcs de la guerre, apporter la paix. D'une extrémité à l'autre de l'univers. Aujourd'hui, il vient. Il vient humblement. Il vient peut-être plus humblement qu'il n'est jamais venu chez vous. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est votre foyer, c'est votre maison. Et le temple de Jérusalem, c'est votre cœur. C'est notre cœur où le roi humble, le roi doux, mais le roi tout-puissant qui vient juger les vivants, les et les morts, apporter la vie. C'est dans votre cœur qu'il veut venir. Alors ce cri de Hosanna, qui est un cri de supplication, nous devons le pousser pour tous ceux qui ont mal, tous ceux qui meurent seuls, tous ceux qui ont besoin de soutien. Mais ce cri du Hosanna, nous pouvons aussi le pousser, le lancer vers le ciel, parce que nous avons confiance, parce que c'est un chant d'espérance, parce que nous avons confiance que Dieu est là dans nos vies, qu'il vient en roi dans nos cœurs. Hosanna, au plus haut des cieux. Amen.